qu'est-ce qu'il a fait froid aujourd'hui? Ouais, mais bon, j'étais obligé de faire un training bras, j'étais obligé d'y aller. Ah oui, aujourd'hui, ouais, j'ai fait un tout petit training bras, je me suis levé assez tôt. Parce qu'avec les perturbations, la neige et tout, la tempête Gabriel, ouais, ça s'appelle comme ça. Tempête de neige Gabriel, là, elle m'a retardé. Et je voulais pas être bloqué dans les transports et tout, surtout pour le retour. Donc je suis parti très tôt. Je me suis levé à 6h, je suis parti à 7h, 8h à peu près. Et puis voilà, hein, on s'est amusé un peu. Non, hier là, il m'est arrivé une dinguerie. Ah, faut que je t'explique. Hier, tout était bien, en plus j'ai fait un leg day hier. J'ai fait un leg day, j'ai fait un peu de squat, j'ai fait un peu de soulevé de terre, tu vois. Mais le focus dans les vidéos, le focus il m'a lâché. En fait, tu vois la caméra là, là ce qu'elle m'a fait là, elle m'a fait un truc de ouf. Et j'étais flou à un moment donné, après c'est parti en vrille. Non, oh là là. En plus, j'étais vraiment chaud. T'as vu dans la vidéo, j'ai dit bon, vas-y, je fais un petit leg day et tout. Bon, j'ai pas vraiment fait un leg day, hein. J'ai fait beaucoup de squats et beaucoup de soulevé de terre. Je me suis vraiment concentré sur ces deux exos-là. J'ai pas fait de guidé et tout. J'ai fait peut-être 8 à 10 séries de squats et 8 à 7 séries de soulevé de terre. Je fais plus de squats que de soulevé de terre. Et puis voilà, hein, mais. Ah, la caméra, elle m'a. Là, je surveille le focus maintenant, là, parce que c'est fini. Là, ma séance bras n'a pas été très très intense, parce que le matin, en fait, je mange pas beaucoup le matin. Et là, je me suis réveillé en rapide. Il n'y avait pas de flocons d'avoine, il n'y avait pas de muesli, et il n'y avait rien, tu vois. Là, c'est la fin du mois, là. Là, c'est le dernier paquet de granola qui restait avec du café, tu vois. Je me suis vraiment. Ah, tu vois, là, j'ai fait une ration de survie, là. Bon, il restait du riz avec du poulet. Mais manger du riz à 6h du matin, tu vois, du riz sec à 6h du matin, jamais de la vie. Tu vois, je peux bien dire, ouais, je suis un warrior, nanana, nan, mais je suis pas encore un Avengers, hein. Ah non, 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 non. Le riz là à 6h, non, jamais. Un petit café, tu vois, tranquille. Moi, je vais être content le matin, j'ai pas envie de frapper les gens. Bon, pour cette séance-là, là j'ai pris le calepin là, parce que tu vois, avant je prenais l'iPad, mais le problème c'est que l'iPad il se décharge tout le temps et je pense pas à le recharger avant de faire une vidéo. Donc maintenant j'écris les programmes, enfin les petites séances que je fais, comme ça je peux te les dire sans brancher, attendre la batterie. Non, tu vois, là c'est direct là. Bon, pour cette séance, j'ai commencé au rameur. Le rameur c'est la base de l'échauffement, c'est rameur for life, hein, comme on a dit dans la première vidéo. C'est. Je sais pas décrire la sensation en fait. C'est si t'as pas l'habitude de t'échauffer en rameur, échauffe-toi en rameur. 10 minutes, 10-15 minutes. Et là tu verras, tu feras une super séance. Pour ma part, c'est comme ça. Mais là j'ai dit. Enfin là j'ai fait 10 minutes. À la base je fais 15 minutes, mais là j'étais déjà chaud. Parce que j'ai pris un grand café le matin là. Et en 10 minutes, j'étais déjà chaud. Sans que j'ai beaucoup marché pour aller à la salle et j'étais déjà énervé avec les transports et tout là. Et aussi la séance d'hier que j'ai pas pu bien filmer. Donc là j'étais à fond déjà. Donc j'ai fait 10 minutes de rameur. Et après on a enchaîné. Juste après ça on a enchaîné avec du curl pupitre à la barre Z. Alors ça, tu vois ça, j'ai fait plein de séries de ça. J'ai fait 6 fois 10 reps. 6 fois 10 reps, 1 minute 30 de repos. Alors au début, voilà, je me suis échauffé à poids léger. J'ai fait 20 séries. J'ai fait 15 à 20 séries en échauffement et j'ai monté la charge progressivement. Et je me suis arrêté en mettant 20-20 de chaque côté. Je pense que la barre est fait 10. Donc voilà, j'ai mis 20-20, 50 kilos et tranquille. Au niveau des exercices, très important, moi quand je dis que je commence avec l'échauffement, l'échauffement il compte pas dans les séries. C'est à partir de quand je mets 15-15, là je commence à compter les séries. Sinon, j'ai fait deux séries en fait, si tu veux, en échauffement où j'ai mis 5-5, je pense. Ouais, j'ai mis 5-5, j'ai fait 15 à 20 reps. J'ai fait une autre série de chauffe où j'ai mis 10-10, je pense que j'ai fait 15 reps aussi. Là, c'était l'échauffement, et quand j'ai mis 15-15 de chaque côté, et ben là, j'ai commencé à compter. Là, j'ai fait peut-être deux séries à 15, et les quatre autres, je les ai fait avec 20-20. Hey, j'ai tellement souffert, j'étais obligé de retirer le pull directement à l'échauffement. Tu vois ce pull là, là? Hey, je l'ai retiré à l'échauffement. Je me suis dit, premier exercice, hey, je le garde en entier.
Non, mes bras me faisaient tellement mal que je voulais voir dans quel état ils étaient. Ah, j'étais obligé. Ensuite, je suis resté sur le pupitre et j'ai fait du curl marteau unilatéral avec haltère. Pour ça, j'ai fait 5 fois 10 reps. Ah, cet exercice-là, je l'aime bien aussi. J'ai une très bonne sensation juste après un pupitre. Donc, je l'ai utilisé. Cet exercice-là, je sais plus comment je l'ai connu. Je pense que, ouais, j'ai dû le voir sur une vidéo Insta. J'ai dit que, vas-y, je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. Et j'étais surpris par la sensation que j'avais au niveau de mes biceps. Donc, je l'ai mis dans ce petit programme-là. Parce que ce programme-là, il est vraiment fait sur la ressenti des muscles, en fait. Il y a certains exercices où je sens moins le biceps que d'autres. Là, j'ai pris des exercices où je sens le plus mon biceps. Les plus. Donc, je l'ai mis dans ce programme 5 fois 10 reps. Et après, bon, après ça, tu vois, le meilleur exo, hein, le curl biceps barre EZ. Ah là là, tu vois, cet exercice-là, jamais je le lâcherai. Curl biceps barre EZ, j'étais obligé de le faire. Ah, j'étais obligé. Mais là, j'ai pris en prise large, j'ai pas pris en prise serrée. Là, j'ai pris un peu plus large que d'habitude parce que j'aime bien alterner en serré et en large. Là, c'était la partie large là. Donc là j'ai mis des gros poids de CrossFit dessus, j'assume complètement, tu vois. J'ai mis les gros poids, d'ailleurs tu vas me voir souvent avec les gros poids parce que dans la salle de pavillon sous-bois, j'aime bien l'espace CrossFit et tout, tu vois, il est bien éclairé. Et il y a plein de gros poids, tu vois, les 15 kilos ils sont énormes, donc j'ai mis sur la barre. Et je sais pas, la sensation elle est nouvelle, j'aime bien, j'aime bien. Donc pour ça j'ai fait 6 fois 10 reps, hein. J'ai fait beaucoup de reps parce que c'est un exercice où je sens très très bien mes biceps dessus, enfin, c'est le meilleur exo. Et du coup, voilà, en finition, pour moi, c'était pas mal. Après, je l'ai mis en finition parce que voilà, c'est l'exercice, j'ai eu la meilleure sensation. Et je voulais faire autre chose avec, mais vu que j'ai pas beaucoup mangé le matin et que je voulais faire un peu de soulevé de terre juste après, franchement, un tout petit peu, hein, donc j'ai gardé mes forces. Et les bras, tu vois, c'est un petit muscle qui s'épuise assez vite, qui récupère vite, mais que si tu manges pas beaucoup là, tu vas le sentir. Tu vas te sentir fatigué vite. Sachant que hey, quand tu vas avec des granolas encore à la salle, la séance, là tu fais pas 3 heures. Hein. Non, non. Là tu fais 1 heure, 1 heure et demie, grand max. Grand, grand max. Donc voilà, pour finir, j'ai fait un peu de soulevé de terre. 4 fois 10 répétitions. Parce que voilà, hier j'en ai fait, je voulais finir dessus. Et j'aimais bien les plans en fait. J'aime bien les plans en vidéo. J'aime bien la sensation de retrouver le soulevé de terre. Mais aussi de muscler ses lombaires parce que soulevé de terre ça muscle les lombaires, tu vois. Après, attention de ne pas mettre trop lourd parce que c'est un mouvement assez complexe et dangereux. J'essaierai de voir si je fais une vidéo à ce sujet, mais je vais attendre de le maîtriser d'abord assez bien pour pouvoir en parler de ce mouvement-là parce que c'est un mouvement qui est très complexe et pour l'expliquer, c'est pas facile non plus. Donc voilà, c'était un petit programme que j'ai fait aujourd'hui. Là, je te cache pas, je suis KO. Plus j'ai faim, tu vois. Là, je suis parti à la salle. Là, je me suis posé, j'ai filmé direct parce que c'est que si je mange, je vais dormir. Tu vois. Donc, je me disais, vas-y, tranquille. Je mets la caméra, je me pose, je parle du programme. Mais ah, comment je suis dégoûté pour hier. Hier, je t'ai préparé une bonne séance hier. Hier aussi, c'est parti sur du rameur, c'est parti sur du squat, soulevé de terre. Et c'est aussi parti sur des muscle-up. Hein. Ah, je t'ai pas dit ça, j'ai fait des muscle-up. Muscle-up serré, écarté. Bon, j'ai fait trop de trucs hier. Mais bon, de toute façon, d'ici la semaine prochaine, j'essaie de te refaire cette séance-là, tranquillement. Et de toute façon, le squat et le soulevé de terre, c'est des mouvements que je vais assez souvent travailler. Donc, c'est des mouvements que j'aurai le temps de t'en parler. Bon, sur ce, moi, je te laisse ici. J'espère que tu as apprécié cette petite vidéo programme. Ah, désolé si je parle un peu vite pour cette vidéo-là, mais je te cache pas, là j'ai qu'une envie, c'est de manger. Je sais pas ce qu'il y a à manger, hein. S'il y a rien, je vais devoir acheter un truc à manger. Oui. Acheter un KFC. Mais je pense qu'il y a un truc à manger, je pense. Je tiens à dire un grand merci. D'ailleurs, je voulais commencer par ça, hein. Mais voilà, j'ai pas commencé par ça. Je voulais dire un grand merci pour tous les retours que j'ai eu par rapport à la première vidéo, mon démotivation. Je vois que vous aimez quand je reviens sur ce format-là, hein, le format où voilà, je suis là, j'explique les programmes et tout, délire tranquillement. Donc on va refaire ce format, hein, on va refaire. C'est le format le plus chiant à faire, mais on va le refaire. Mais je prends quand même du plaisir à le faire, je prends du plaisir à parler devant cette caméra, expliquer les petits conseils et les programmes. Là, cette semaine-ci, c'est plus des programmes soft,
que je fais, hein, tu vois, parce que c'est le matin, j'ai pas l'habitude de m'entraîner très tôt, mais on va prendre le temps de bien manger le matin et d'envoyer des vraies séances, tu vois, des vraies grosses séances. Là, c'est plutôt une séance que voilà, si tu as le matin et tu travailles juste après, tu fais ta petite séance avant le travail et tout. Ouais, c'est une séance pas mal, tu vois. Mais là, on va vraiment faire des séances préparation comme Nadji ou Body Fitness. Et je serai une autre personne. Il faut que mon dos il soit plus large qu'un radiateur. Ah ouais. Je t'invite à mettre un j'aime, à liker si t'as aimé cette vidéo. Si tu as plus de vidéos de ce format-là, du format Monday Motivation, on va dire. Et moi, je te dis à la prochaine pour la suite. Mais aussi, n'oublie pas, surtout pas de t'abonner si c'est pas fait. Ouais, parce que ouais, faut qu'on arrive aux 1000 abonnés là. 1000 abonnés, je fais une vidéo 1000 pompes. Voilà. Je préviens, je pose ça là. 1000 abonnés, vidéo 1000 pompes. Je sais pas, va me durer combien de temps, mais 1000 pompes. Si t'as tenu jusqu'à cette fin-là de vidéo-là, je te remercie beaucoup. Merci pour ton soutien. Et je t'invite à mettre en commentaire, s'il te plaît, 1000 abonnés, 1000 pompes. Et faut que les gens y voient, tu vois. Faut qu'ils voient 1000 abonnés, 1000 pompes. Et je vais les taper. J'ai déjà fait une vidéo où j'ai fait un peu plus de 1000 pompes. Mais là, je viens de faire une nouvelle. Mais même si ça va être dur parce que j'ai pris du poids, là, je suis plus maigre comme avant. Mais je l'assumais. Donc, je te dis à la prochaine pour la suite.